J'ai besoin de ton aide pour trouver ce lieutenant. D'après notre ami, il serait allé... On se retrouve au bateau. Livraison de cheval. C'est bon, tout va bien. Vamos, vamos! C'est beaucoup de risques pour un seul lieutenant. Si ça te plaît pas, tu peux nager. Joli bateau. C'est le tien ? Non, je l'ai piqué. Quand j'étais petite, papa m'a appris à court-circuiter les tracteurs. Les bateaux, c'est pas très différent. Hé, il faut trouver un médecin pour Carlos. Bon courage. Il crache du sang. Il a besoin d'aide. Une fois, papa m'a emmené pêcher, au sud de Costa del Mar. C'est un bon fermier, mais un mauvais pêcheur. Aucune patience. Incapable de se servir d'un hameçon. Il arrêtait pas de coincer sa ligne au fond. Il s'est même accroché la lèvre. Ça l'a tellement énervé qu'il a balancé de la dynamite dans l'eau. Ça a tué plein de poissons, mais ça a surtout fait un trou dans notre bateau. On a nagé 100 km jusqu'à la rive. Des gens sur des bateaux ont voulu nous aider. Mais papa les a envoyés chier. C'est quoi le rapport avec la maladie de Carlos ? Ce que je veux dire, Danny, c'est que c'est pas demain que Carlos Montero acceptera de l'aide. Putain. Les Montero, ce que vous pouvez être bornés. Pas moi, juste papa. Ouais. La ferme. Putain de tabac. C'était censé enrichir le peuple. Enfin, c'est ce qu'avait dit Anton. Si, c'est pour ça qu'il a été élu. Oui, et on est beaucoup à avoir voté pour lui. On croyait en ses promesses. On pensait que ça allait repartir comme avant. Comme d'un coup de baguette magique. Putain, on s'est bien planté. Si on veut changer les choses, on a besoin de quelqu'un pour remettre ça en ordre. Nous rassembler. Et ce sera pas papa. Carlos n'a pas de plan ? Son plan, c'est de ne jamais dire aux autres ce qu'il ressent. Et ne jamais faire confiance à personne, surtout pas à sa propre fille. Simplement se contenter de réagir à ce que Napoléon El Pequeño te balance à la gueule et basta. Il est de la vieille école. Il me rappelle le directeur de mon orphelinat. Un vrai dur, super strict.
Mais s'il t'avait à la bonne, il te défendait comme personne. Si on pense comme ça, on va se faire laminer. On peut pas passer notre vie à s'adapter à José. Ça marche pas. Il faut essayer de nouvelles choses. Garder une tête d'avance sur ce fils de pute jusqu'à ce qu'il crève. Je suis d'accord. Bonne réponse, Danny. Merde, tu fumes des mexicaines? Notre tabac est passé au vivero. On peut même plus fumer notre production. Enfoiré de merde. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Cette merde de José Castillo, neveu d'Anton, une vraie enflure. Putain, mais j'hallucine. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec... le lieutenant qu'on recherche. On dirait plutôt un scientifique. Faut qu'on bute Rosset. Non, non. Tu pourrais blesser le lieutenant. Merde. Hé, hey, regarde là. Il faut que je sache où va ce scientifique. Fouillons cet endroit pour trouver des indices. Allons-y. Peut-être que son ami près de l'héliport pourra nous aider. Ok. Encore que je découvre où est parti ce scientifique. Libre de vos obligations futiles. Vous êtes ici pour célébrer votre animal intérieur et donner libre cours à vos instincts primaires. C'est pour votre loyauté indéfectible que je vous fais ce cadeau. Soldats privilégiés accèdent à cet endroit. Ici, vous serez traités comme des dieux.
Apparemment, José a une villa au nord de l'île. Je crois qu'on sait un ordinateur par ici. Je l'ai trouvé! Pas de mot de passe, idiota. Voyons voir ce qu'on a là. El Pequeño a une salle de torture pleine de parias. Elle est juste en dessous du phare, au sud. Putain, tu peux me faire entrer? Voilà. Je vais continuer à chercher ici. Bonne chance, Danny. Yeah.
Lâche-moi ça! Merci infiniment, Libertad. Gracias. Pas de problème. José est un monstre. Aide-moi. Reste calme. Espada, José avait transformé cet endroit en salle de torture privée. Il y avait des parias à l'intérieur, mais je les ai délivrés. C'est un malade, ce type. Ça devrait pas m'étonner. Bon travail, Danny. J'ai découvert où bossait le scientifique. L'enfoiré qu'on a vu tout à l'heure. Son labo est à Riviera. Rendez-vous là-bas. Ok. Ce serait pas plus simple que tu me dises ce qui se passe? Si j'ai besoin que tu saches, tu sauras.